Salut tout le monde, ça c'est Léponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA V pour la suite de vous savez quoi, Caillou Perico. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs mois que Caillou Perico, enfin le DLC, est sorti et je suis toujours pas mission finale, hein. Mais ça m'empêche pas de faire une petite vidéo par-ci par-là de temps en temps, mes amis. Et je sais que vous attendez beaucoup quand même, hein, même si vous ne dites rien dans le commentaire. Mais voilà. Bon, avant de commencer la vidéo, donc voilà, vous savez déjà que je viens toujours dans le casino, hein, pour essayer de gratter un petit peu de pièces. Allez, hop. Bonus, petit bonus, ça fait toujours du bien. Et maintenant, on va tourner la roue pour essayer d'avoir la voiture. Je sais que je ne vais pas l'avoir parce qu'il y a le t-shirt. Mais je vais quand même tenter le coup. Allez, 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 allez. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Voilà, ok. Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est que je vais bientôt avoir le 1 million de jetons pour les casinos. Allez, on se retrouve tout de suite pour la mission, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mission aujourd'hui? Mission secondaire. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Préliminaire, toujours, hein. Il manque pas mal encore, hein. Matériel. Donc, je vais essayer de finir maximum les matériaux, hein. Code de coffre. Bon, allez, c'est parti. On va chercher ça. Bah, j'ai même pas le temps de reprendre en fait. Il a dit ok. Bon. Bon, j'ai aucune idée de l'endroit où je dois y aller. Oh. Il parle, il communique, mais faut que je trouve l'endroit, quoi. Ah, je vais me cacher. Rejoignez le casino. Ah, ok, bah, j'avais même pas regardé, quoi. Ok, je dois aller au casino pour avoir le code. Bon, est-ce que je dois m'arrêter au toit? Ouais, je vais arrêter au toit. Est-ce que je peux m'arrêter ici? Non, je peux pas. Donc, du coup, ce que je dois y aller, je pense, c'est vers l'autre côté du casino et je peux m'arrêter par là, par exemple. Ici, là, ici, ici, ici. Doucement, tout doucement, tout doucement. Et hop là! Bon, l'entrée de la boîte de nuit, c'est par là, hein, évidemment. C'est ici. Bonjour tout le monde. L'inspection de police. On a besoin de code, s'il vous plaît. Ah, donc l'entrée, il faut que je rentre dans l'entrée principale, quoi. Allez, allez, allez. Allez, l'entrée principale. En cours, en cours, en cours. Pas de course. C'est bon, je peux rentrer. Utiliser l'ascenseur à proximité pour accéder à l'étage. Ok. Bon, je vais prendre l'ascenseur pour aller à l'étage. Mais il pouvait pas me prévenir tout à l'heure, j'étais au casino. Ouh. Qu'est-ce que dois-je faire?
Ah, un tueur bien entraîné, on va voir ça. Est-ce que j'ai des silencieux ou pas? Est-ce que j'ai des armes silencieuses? Ouais, c'est bon. Il a dit un tueur bien entraîné. Donc il faut que je fouille cet endroit, fouiller l'étage à la recherche de suite avec terrasse. Ah, comme si je peux pas m'arrêter. Oh, mais ouais, c'est vrai que c'est joli. Là, ils ont rénové, hein. Franchement, ils ont rénové. C'est vraiment joli. C'est la première fois que je vois cet endroit. Hop, je peux pas rentrer. 523. Je pense que je dois prendre beaucoup, beaucoup de temps là. Ici, je pense que c'est un endroit. Ah, je peux même pas accéder. C'est vraiment joli partout. C'est lumineux. Alors, est-ce que je peux rentrer quelque part, fouiller à l'état, à la recherche de... Ah. Éliminer les agents de sécurité discrètement et rapidement, éviter d'alerter le reste. Ok. Bon. Hop. Tranquillement. Est-ce que j'ai d'autres armes? Silencieux, s'il vous plaît. Ah, j'ai tout enlevé de silencieux. Il faut que je laisse quelques armes silencieuses quand même. Parce que petite mitraillette comme ça fait pas beaucoup de dégâts. Ah, si, c'est bon. J'en ai d'autres. Oh, j'ai galéré un petit peu. Non, c'est bon, c'est bon. Entrée dans la suite avec terrasse. Ok. Bon, il faut que je recharge un petit peu. Bon, il est rentré franco. Elle est rentrée franco, hein. Utilise et envoyé par papel plutôt pour identifier les chefs de la sécurité qui possèdent le code du coffre des aéroports. Ok, bon, ici, il y a l'ennemi. Dead, dead, hop. Hop. Où est-ce que tu vas? Reviens ici. C'est l'assassin de... C'est le police. Je suis un policier ripou. Je viens braquer votre suite. Hop. En pleine tête, ça a l'air d'être facile tout ça. Du coup, trouver le chef de la sécurité. Ok. Bon, il doit être au fond, hein. Bonjour madame, désolé pour dérangement. Non, non, je vais rien, je vais rien. Tu peux garder. Moi, je veux juste le code. Ah, il est mort. Donc, je peux récupérer les codes. Adieu. Bon, désolé, mesdames et messieurs. Juste inspection de travail. Parce qu'il y a des agents qui ont mal travaillé ici. Donc, ils avaient besoin de correction. C'est tout. Hein. Il n'y avait pas autre chose. Je viens juste récupérer ce qui est à moi. Hop. Ne vous bougez pas surtout. Hein, parce que je suis pas armé. Hein. Ok. Bon, tout ça, c'est pris. Oh. Oh. La police. Bon, c'est moi la police, c'est moi la police. C'est moi la police ici. Allez, encore plus vite que ça. On dirait que je suis pas super entraîné, hein. C'est pas normal ça. Ils sont où? Ils sont où? Donc l'exit est là. Hop. Ah, il faut que j'aille de l'autre côté. Faut que je fasse gaffe, hein. Là, j'avance sur terrain miné, là. Il faut que je sorte par l'ascenseur ou pas? Ah, ils étaient là, ils m'attendaient! Ils m'attendaient! Ils m'attendaient!
Bon, il faut que je sorte de là avant que les polices ils arrivent. Toi, toucher. Tu restes par terre, ok. Par contre, ce serait bien à venir si j'ai un gilet pare-balles. Hein. Mon hélico, mon hélico, mon hélico. Allez, allez, on se décale, on se décale. Cassez-vous. Non, je vais pas mourir. Hop, au revoir, au revoir, au revoir. Vas-y, on récupère l'hélico. On se casse. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. C'est parti. Bon, du coup, la solution, c'est quoi? Vu que j'ai des étoiles, donc je risque pas grand-chose. Il faut que je monte au plus haut possible. Mais plus haut possible. Hein. Plus haut possible. Donc l'étoile commence à clignoter. Hein. Moi, j'ai tout prévu en 2 hélicoptères pour s'évader. C'est quelque chose de pro, quoi. Si c'est pas professionnel, ça. Tout seul contre tous. Enfin, Nios, toute seule contre tous. Allez, bon, les étoiles vont disparaître ou quoi là? Ah, ça c'est bon. Mission préliminaire terminée. Vous avez acquis le code du coffre. C'est bon, si c'est pas facile ça. Si c'était pas trop facile ça, mes amis. Tout seul. Dans le champ de mine. Tout seul. Ok, bah tant mieux. Hein. T'as le code du coffre, génial. Attends, je vais lire ça de plus près. Dans le message. C'est Miguel qui m'a envoyé le message. Alors, t'as le code du coffre, génial. J'aurais trop voulu être là pour voir la tête de Rubio. Pourquoi t'étais pas là? Tu pouvais venir, hein, j'étais tout seul. Je vois que vous avez la situation sous contrôle. Je tourne au locker, mais je passerai prendre des nouvelles. Des nouvelles avant le coup final. Ok, pas de souci. Sinon, tu peux attendre hein, le temps que je finis et tout ça. Donc, tu peux attendre, mec. Hein. Moi, je peux tout faire tout seul. Hein. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo à bord de cet hélicoptère bizarre d'attaque. N'oubliez pas de t'abonner hein, si tu passes par là. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite cloche. Et bien sûr, le pouce vers le haut, c'est important. Et pourquoi pas aussi le partage hein, c'est pour aider la chaîne. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!